conscience, il y a une dualité. La dualité est là, pourquoi? Parce que, en fait, on est séparé. On se sépare de tout et tout devient un terrain de rivalité. On ne voit pas l'autre comme soi-même. On le voit comme la pensée le dicte. C'est-à-dire, on voit l'Américain, on voit le Chinois, on voit les étiquettes, en fait. Mais derrière l'étiquette, il y a l'union, il y a ce que tu es. C'est la même chose que toi. Mais l'étiquette crée la division. Donc il y a ces conflits, en fait, dans le monde, qui est dû à l'étiquette qu'on porte sur le regard qu'on a sur les choses, sur les personnes, sur tout ce qui compose l'univers. Alors que l'univers, dans son ensemble, c'est un seul mouvement dont tu fais partie. Ton corps fait partie. Tout ce qui existe fait partie de cet ensemble unique, non séparé des uns des autres. Mais la pensée, comme nous l'avons interprétée, propose ce que c'est. Il donne une signification aux choses qui nous entourent. Et cette signification, elle est différente du point de vue que je porte, moi, dans mes pensées, sur ce qui se passe à l'extérieur. Donc il y a conflit. Il y a conflit parce que, en fait, la pensée propose ce qu'elle connaît de la chose, de ce qu'il voit, de ce qu'il entend. Il propose, lui, une interprétation de ça. Et son interprétation, c'est ce qu'il connaît. Donc il propose ce qu'il a appris. Et en proposant ce que tu as appris, tu rentres directement en conflit, puisque ce que tu as appris n'est pas ce qu'il y a en face de toi. Ce qu'il y a en face de toi n'a rien à voir avec ce que tu penses. Ce que tu penses, c'est ce que tu fabriques. C'est une fabrication de l'homme pour désigner ce qui est autour de lui, mais sans connaître vraiment la profondeur de ce qui est. On ne voit que la superficialité. Donc ton être est en confrontation constante avec ce que tu voudrais voir et ce qu'il y a vraiment au fond. Tu regardes très peu de manière profonde. Tu ne regardes que ce que tu veux voir, que ce que tu connais. Et ce que tu connais est OK pour toi. Et quand tu restes dans ce connu-là, eh bien, l'être que tu es se sent OK, il se sent bien, il se sent en sécurité. Et il a besoin de faire comme ça pour faire en sorte que la sécurité existe pour lui. Parce que quand il ne sait pas quelque chose, il est très nerveux, donc il veut savoir en quoi cela consiste. Qu'est-ce que c'est ? Comment ça se passe? Et là, donc, la nervosité s'arrête puisqu'on comprend la chose. Mais on le comprend comment? On le comprend par rapport à toutes les références qu'on a. Et on a mis des références dessus. On dit ça c'est comme ça, c'est comme ça. Ça je vois, oui, c'est comme ça, c'est pas autrement.
Et donc, on a donné une signification à ce qui est vu. Mais cette signification, elle n'est que l'interprétation de ce que tu as pu mettre en place. Tu as mis ça en place à travers tes conclusions, tes références, ce que le monde avant toi a mis en place, et tu répètes sans aller voir vraiment ce qu'il y a derrière la chose. C'est pourquoi il y a tout à fait ce conflit qui se perpétue ainsi. C'est parce que nous sommes restés dans l'interprétation. Alors, à se dire, est-ce que nous pouvons regarder les choses sans interpréter? Est-ce que ça, c'est possible? Est-ce que nous sommes capables d'arrêter, de donner des références, des significations aux choses qui nous entourent et les interpréter en tant que ce qui a été déjà programmé? Il y a l'Américain, on connaît que c'est l'Américain et on le voit comme l'Américain, pas comme toi, pas dans l'énergie, l'essence de toi-même. Tu le vois différent de toi. Et donc la différence crée la rivalité, la division. Et cette différence, elle est perpétuée de génération en génération. Alors on se disait comment faire pour ne pas référencer, pour laisser les choses être ce qu'elles sont et les accepter sans jugement, sans vouloir que ce soit réconfortant, accepter de regarder, de laisser la chose être comme elle est, sans que tu interfères avec tes propres pensées pour lui donner une issue à ta crainte. Donc, regardez comme ça le monde sans but, en laissant les choses être, en ne voulant pas interpréter. Est une faculté que tu détiens. Parce que tu es toi, en fait, là, tu as la possibilité d'observer ce que tu penses. Parce que ce que tu penses est quelque chose qui se passe et tu ne passes pas avec. Et ce que tu es, c'est quelque chose qui peut observer tout ça. Donc, tu es, toi, celui qui est au-dessus de la scène et tu vois comment la scène se déroule. Tu regardes la pensée et elle défile devant toi. Et tu vois que cette pensée, elle cache, en fait, une réalité que tu ne connaissais pas. C'est une pensée qui subjugue, qui est récurrente, parce que la pensée elle-même, elle est... tu t'es identifié à cette pensée. Et quand tu dis « je vois », eh ben, c'est parce que tu vois avec les pensées, et les pensées, c'est toi, donc tu t'identifies à ces pensées. Il faut déjà remarquer peut-être que tu n'es pas les pensées, alors que ce que tu vois, ce sont les pensées qui voient, mais pas ce que toi tu vois. Toi, tu connais la réalité, en fait, mais si tu es identifié aux pensées, tu auras l'interprétation de ce que tu penses voir avec tes yeux et tu penses avoir décidé toi-même que ce soit comme ça. Mais est-ce que c'est toi qui décides? Est-ce que tout n'est pas déjà programmé
Est-ce que ce n'est pas la pensée en toi qui déjà voit les choses et ces pensées te mènent par le bout du nez et te dit quoi faire en fait? Mais comme tu es identifié à ces pensées, tu penses que c'est toi qui fais. Mais en fait, tu es programmé à aller dans le sens de la pensée. C'est des actions que tu fais compulsivement. Tu n'es pas dans l'action libre de celui qui regarde la pensée. Et celui qui regarde la pensée, il peut agir aussi. Mais il agira dans la justesse. Il ne dira pas ça, c'est l'Américain. Il n'interprétera pas ce qu'il voit, parce qu'il voit dans la profondeur, au-delà de l'étiquette. Il voit ce que la pensée ne peut pas accéder. Donc, il se libère donc de la dualité entre ce qui est et ce que tu es. Ce que tu es et ce qui est, c'est la même chose. Tout est un seul mouvement de l'univers. Tout ce qui existe est un seul mouvement de l'univers. Et nous sommes tout ça. Mais les pensées te font voir une version de ce qui n'existe pas, de ce qui est créé, une illusion en fait. Tu vois une illusion, quelque chose qu'on fabrique, mais qui automatiquement ne peut pas rester constamment là. Au bout de moment, tu vas voir que la profondeur est là et que la superficialité n'a aucun sens et qu'il faut aller au plus profond. Mais la pensée insiste avec beaucoup d'illusions que tout reste au niveau superficiel parce que c'est là où la pensée, elle existe. L'ego, lui, il existe dans cette superficialité. Il ne va jamais en profondeur. Il est l'apparence des choses. Il te fait voir ce que tu veux voir, mais pas ce qu'il y a à voir. Parce que ce qu'il y a à voir va le détruire. Et ô combien l'ego ne veut pas être détruit. Mais le raisonnement, ton raisonnement, sur toute la situation, sur toute la scène où les pensées se déroulent et où tu es toi le témoin, c'est un raisonnement qui te fait voir une réalité. Et en voyant cette réalité, les choses deviennent claires pour toi. Et la vie change, puisqu'il n'y a plus de dualité en toi. Tu es en harmonie avec ce qui se passe, tu es en connexion avec tout, tu es en connexion dans la profondeur de la chose. Bien que toutes choses soient diversifiées par leur apparence, mais à l'intérieur de toutes choses, et le même mouvement, c'est le mouvement de l'univers qui est un. Et nous sommes tous comme ça. Nous sommes ensemble dans dans ce un. Et si nous pouvons faire en sorte que nos rivalités soient mises de côté, tout simplement en voyant la stupidité de ce que nous ne sommes pas, en voyant que ce que nous faisons, c'est nous embrouiller les uns les autres avec justement cette illusion de la pensée qui sévit en chacun de nous, parce qu'on le véhicule à travers les traditions, à travers tout ce qu'on a appris, à travers la mémoire qu'on a acquise, à travers les conclusions.
Donc il suffit de voir l'illusion de ce que les pensées proposent. Et cela demande certainement beaucoup, beaucoup d'attention, parce que l'habitude, elle est vieille, ancestrale, de regarder les choses de cette manière. Alors, aller regarder, ça veut dire raisonner, questionner, douter et mettre les choses dans leur contexte, mais pas dans l'émotion, dans son contexte. Parce que l'émotion crée de l'impact et c'est sans cesse une continuité de causes et d'effets qui fait que nous n'arrivons pas à nous défaire de l'engrenage dans lequel nous sommes.